Arrêtez-moi si je fais fausse route. Farouk al-Bashir et le PLR prennent le pouvoir en Iran presque en même temps que le tremblement de terre. Ils deviennent une menace. Quelques semaines plus tard, on envoie 50 000 hommes pour l'éliminer. On entre en guerre contre l'Iran. C'est un cours d'histoire. Quel a été votre rôle exact dans la traque de Farouk al-Bashir? C'est vague comme question. D'accord, alors laissez-moi la reformuler. Votre première mission. À l'origine, on devait faire l'EDC après des frappes aériennes dans le quartier nord de Téhéran. Évaluation des dommages collatéraux. Pourquoi faire? C'était la procédure. On cherchait un VIP que les chasseurs étaient censés éliminer. D'après ce que j'ai vu, vous respectez la procédure seulement quand ça vous arrange. Dites-nous quelles étaient vos relations avec le lieutenant Colby Hawkins. Elle était pilote de F-18. Elle? On ne connaît pas. En même temps que votre mission, elle prenait part à une frappe aérienne visant al-Bashir. Hawkins, on est au niveau d'alerte numéro 1. Le plan est changé. Il faut qu'on parte sur le champ. Et on va pas faire de la figuration. Ça nous changera de nos opérations de soutien aérien à la mort moelleux. On aura plus d'infos une fois qu'on s'envole. Mais on doit faire une frappe juste au-dessus de Mehrabad. À Téhéran, au niveau de l'aéroport. Les gars pensent avoir trouvé al-Bashir, d'après les infos qu'ils ont reçues par satellite. Aujourd'hui, on va chasser du gros gibier. J'espère que t'es à fond, Hawkins. C'est à peu près tout. Les Iraniens ont déjà envoyé des avions. Ça va pas être facile, les mecs, je le sens. Farouk al-Bashir va passer un sale moment aujourd'hui.
ajuster le cap sur 310 degrés. Voici Charles 4-6, bien assez. Je vire au cap 310, 3000 mètres. Cap 2, tu peux virer. Arve parée, arve parée. Signal positif. Des leurs.
Verrouillage ennemi. Ok, on est bon. En défense. Cible marquée, j'arrive.
Charles 4-6, des avions sortent des bunkers. Ils essaient de décoller. À vous. Ici 4-6, Berger. Ok, on repère les trois bunkers en face du terminal principal. Pendant notre en rouge, et marqué pour Striker 2-2. C'est ça. Reste dessus. Reaper 1, un autre chasseur se met en position sur la piste. Bien joué. C'était le dernier. Ici Reaper 1, j'ai trois véhicules qui avancent sur la piste. C'est peut-être notre cible. Attendez. Shark 4-6, attendez qu'on vérifie la cible avant d'attaquer. Vous me recevez? Bien sûr. Pour Bulldog 3-3. Reaper 1, ici Heavy 2-1-2. Attention, un appareil isolé approche par le sud à faible vitesse, altitude 5-0-2. Vous l'avez en visuel, à vous. Bien reçu, c'est un hélico. On dirait qu'il se dirige vers les véhicules. Bien reçu. 4-6 est sur place. 4-6, ici Reaper 1. Il faut qu'il sorte de voiture pour qu'on puisse vérifier que c'est bien notre cible. Restez en attente. Ok. Je vire vers la cible. Ils sont du PLR, c'est confirmé. Vous avez le feu vert. Vous pouvez attaquer. Marquez la zone. 3-3 est en attente. Bien reçu. 2 secondes. Il monte à bord de l'hélico. On a des individus en fuite. Vous pouvez les abattre aussi. Ok. Votre crosse est sortie. Bon pour l'axe. Shark 4-6, trajectoire.